Commence à partir. Prends soin de toi, passe une belle journée et rentre à la maison à temps.
plus. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir, maman. Mais où est passée cette fille? Oh, maman? Maman, tu es là? Bonjour. Bonjour, maman. Le chauffeur de tuk-tuk est là. C'est vrai? Oh, regardez-le, il est là. Tu es revenu? Maman. Merci. Oui, maman. De rien, maman. Je m'en vais déjà. Oui, allons-y, les filles, partons. Nous sommes déjà en retard. Allez. Au revoir, mes filles. À plus, maman. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est? Finest, je veux qu'on s'échange des numéros de téléphone, s'il te plaît. Et pour quelle raison? Calme-toi. Je pense que nous échanger des contacts va améliorer notre relation rapidement, au moins dans le sens des affaires. Vraiment? Oui. Dès que j'ai ton numéro, je vais t'appeler chaque soir pour savoir que tu vas bien. Et aussi chaque matin pour savoir que tu es bien réveillé. Juste pour essayer de mettre un beau sourire sur tes lèvres. Oh, si tu l'as dit. Oui, voilà. Très bien. 070. 070. 3111. 3111. 333. 333. 1. 1. Merci. Il n'y a pas de quoi. Judy. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Que veut dire ce que tu as fait? Hein? De quoi parles-tu? Tu ne sais donc pas de quoi je parle? Finest, je n'ai pas encore compris ce que tu essaies de me dire. C'est quoi la signification de ce que tu as fait quand nous étions au restaurant? Est-ce que tu peux être un peu plus clair, s'il te plaît? Pourquoi tu m'es touché comme si j'étais ta petite amie? Dis-moi. Oh, ça.
J'essaie seulement de te faire savoir ce que je ressens pour toi. J'ai finalement réalisé que depuis le premier jour où je t'ai vu, je suis tombé profondément amoureux de toi. Merci beaucoup pour m'avoir aimé, mais je n'ai pas besoin d'une quelconque relation. Ok? Finis, je sais que tu n'en as pas besoin, mais je sais que tu vas... Excusez. Tu as besoin d'une relation, comme tout le monde. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Finest, cette fille est vraiment impossible. Hey, les filles. Ma belle, de quoi est-ce que vous étiez en train de parler? En tout cas, j'aurais tout vu dans ces montres. Pouvez-vous imaginer? C'est idiot. C'est vaurien de chauffeur. C'est bon à rien. C'est minable. Veut que je devienne sa petite amie. Hein? T'es sérieuse? Dis-moi que c'est pas vrai. Est-ce que vous m'avez regardé? Prenez le temps de bien me regarder. Je le savais. Et comment est-ce que tu l'avais su? Tu n'avais pas remarqué comment est-ce qu'il a regardé quand on était au restaurant? Ne me dis quand même pas que tu ne l'avais pas vu. Jamais de la vie. Je ne pourrais jamais sortir avec ces gars. Regardez-moi bien, le fille. Le fille, vous m'avez bien regardé? Moi, avec cet idiot. Ok, ma chérie, s'il te plaît, qu'est-ce que tu lui avais dit? Mais bon sang, en quoi est-ce que tu t'attendais? Je dis non. Hein? Tu as dit non? Ah, Finest, pourquoi? Pourquoi? N'as-tu donc pas bien regardé ces gars? N'as-tu pas vu comment il est beau et aussi croquant? Parfait. Jamais de la vie. Ok, c'est bon, on se calme. Il est pauvre. Il n'a pas de boulot. Et après quoi? En tout cas, ma chère, désolée, je peux bien voir que c'est ton genre d'homme. Tu peux aller à sa poursuite et me laisser tranquille. Va à faire recherche, ma belle, et laisse-nous tranquille. Oui, un instant, j'arrive. Bonjour. Bonjour, en quoi puis-je t'aider? Je viens voir Finest, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Mets-toi et laisse-moi aller l'appeler. Oui, merci. Oh, Finest. Oui. Bonjour à toi. Bonjour. Comment vas-tu? Anita, comment vas-tu? Je vais bien. Ah oui, très bien. Finest, je sais que vous voulez toutes sortir. Alors j'ai voulu t'amener quelque chose que voici. Je voulais même l'amener plus tôt, mais je suis un peu en retard. Finis, pourquoi tu fais ça? Prends ça et va le dire à ta mère mourante au village. Mes yeux. Mais qu'est-ce qu'il dégage avec toi? Es-tu obligé de faire ça? Sors de cette maison. J'ai pas envie de te voir. Désolée, va-t'en. Désolée. Dégage, passe devant. Allez, arrête. Laisse-le, Finis. Laisse-le, tranquille. C'est quoi ton problème? Finis, arrête ce que tu fais. Dégage. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça? Tu es très méchante. Laisse-moi passer. Juste regarde-moi bien, ma belle. Moi, Finest.
entretenir une relation avec cet idiot. Ne le suis pas, il est très stupide. Il a obtenu ce qu'il mérite. C'est bien fait. Allez, je te fais confiance, mon ami. Détends-toi. Aïe. Aïe, mes yeux. Aïe. Mes yeux. Oh mon Dieu. Aïe. Hein? Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils. Mes yeux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Mes yeux. Maman, s'il te plaît, de l'eau. De l'eau. Mes yeux. De l'eau. J'arrive. Vite, apporte de l'eau. De l'eau. Mes Allez, yeux. Ça va aller, désolé. Maman, de l'eau, vite. Oh, désolé. Désolé, monsieur. Maman, un instant, j'arrive. J'arrive. Mes yeux. Mon Dieu. Mon Dieu. Le jour que je verrai ces garçons dans cette maison, il saura. Ma soeur, ces garçons sont très courageux. J'ai vraiment honte de toi. Finest, comment as-tu pu? Comment peux-tu être méchante à ces points? De quoi es-tu en train de parler? Tu ne sais donc pas de quoi je parle? Finest, comment peux-tu renverser de la nourriture sur ces pauvres garçons? La nourriture qu'il a achetée avec la sueur de son front. Comment peux-tu? Oh, ça? Écoute, je ne faisais que lui filer un conseil pour qu'il ramène ces gens de nourriture auprès de sa vieille mère là-bas au village. De cette façon, ça va l'aider à choisir une bonne femme pour son fils. Des fois, j'ai vraiment honte de toi. Je ne sais vraiment pas pourquoi on t'a donné le nom de Finest. Parce que je peux voir, il y a que la méchanceté qui coule dans tes veines. Laisse-moi te dire une vérité, ma belle. Tu as perdu la tête. Tu as vraiment perdu le pédale. Un instant, Anita. Mais où veux-tu en venir? Arrête-toi là, Judith. Je dis, arrête-toi. Je ne te calcule pas, désolée. C'est pas à toi que je m'adresse. Juste, regarde-toi. Voyez-moi celle qui parle. Oh mon Dieu, mais tu te trompes. Tu es en train de te voiler le visage, ma belle. Reviens sur terre. Ouvre les yeux et arrête ça. Ok, d'accord, laisse-moi te poser une question. À quand remonte la dernière fois qu'un garçon t'a dit bonjour? Tout ce que tu fais, c'est courir derrière les hommes mariés. À chao. Hey! Mais voyez-moi celle qui me fait la morale. N'est-ce pas que nous faisons le même boulot? N'est-ce pas que nous faisons le même boulot? Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps en écoutant tout ce que vous êtes en train de raconter. Je m'en vais, vous êtes des idiotes. Ma chère, c'est quoi ton problème? Regardez-la. Est-ce que je t'ai demandé de venir me conseiller? Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Mais pourquoi elle prend sa défense? Oublie cette idiote. Laisse-la. Écoute, ma fille, tu dois savoir que c'est une bénédiction d'avoir un homme qui te court après. Mais c'est très décevant quand tu ne parviens pas à choisir la bonne personne. Maman, tu as parfaitement raison quand tu dis que c'est très difficile de choisir la bonne personne. Mais mon cas est différent. Que veux-tu dire par là, ma fille? Tous les hommes qui me courent après sont des hommes mariés, excepté ces minables chauffeurs. Ces chauffeurs de toc-toc, t'a-t-il demandé en mariage? Ah bah! Maman, tu ne t'attends quand même pas à ce que je puisse me marier à ces misérables chauffeurs, ma fille. Personne n'est minable. Personne n'est minable. Tout homme sur cette terre a ses potentiels. Il est juste question d'avoir quelqu'un à ses côtés pour que ses potentiels puissent se développer. Ne dis plus ça, ma fille. Personne n'est minable. Maman, dis maman! Je dis la vérité, arrête ça. J'étais allée à l'école. Es-tu sérieuse? J'avais fini mes études secondaires avant de me marier. C'est juste à cause de la mort de mon mari que je me retrouve dans cet état. Maman, c'est bon, ça suffit. Je vais penser à propos de ce que tu m'as dit. S'il te plaît, fais vraiment un effort d'y penser. Je t'en prie. C'est entendu, maman. Je dois maintenant aller lire mes notes. C'est bon, ma fille. Tu as raison. Vas-y. Je t'en prie, mon Dieu.
Fais quelque chose. Fais quelque chose, mon Dieu. Et où, ma belle? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais cette tête? Encore toi et Judy? Oui, d'ailleurs, on sort aujourd'hui. Veux-tu m'aider avec ça? Ma chère, t'as-t-il ensorcelé ou quoi? Quoi? Je suis désolée. Finest. Finest. Viens ici, toi idiote dépourvu de honte.
Viens ici. Ah. Idiote. Sors ici maintenant. Sors ici maintenant. Anita. Oui. Va demander à cette stupide de fille que tu appelles ton amie. Et te dire la signification de cette bêtise qu'elle a faite dernièrement. Et qui est ce fou qui est en train de crier mon nom comme ça? Hein? Est-ce pas fort? Finest. Hein? Est-ce pas fort? Arrête de crier comme ça. Suis-je obligé de t'aimer, hein, Chukodi? Ce n'est pas par force, mais tu ne peux pas. Dégage d'ici, je t'ai dit. Donc, c'est ce que tu es. Je dis, sors d'ici, casse-toi. Je ne partirai pas. Qu'est-ce que tu fais toujours là? Je ne pars pas d'ici. Je ne pars pas d'ici. C'est quoi ton problème? Ok, laisse-le tranquille. C'est quoi ton problème, Finest? Non, mais arrête de le faire comme ça, Finest. Je t'ai dit, es-tu malade? Maman, qu'elle parte. Hein? Tu dis toi aussi. Étais-tu obligée de prendre de l'alcool? Fouille-moi cette sorcière. Hein? Donc je parle, toi aussi tu parles, c'est ça? Tu appelles cette chose fils. C'est insensé, c'est vaurien. Espèce d'idiot. Je sais pas. Tu veux me forcer à t'aimer, c'est ça? S'il te plaît, ne parle pas comme ça, ma mère. Qui est ta mère? Cette sorcière? C'est cette chose que tu appelles maman? Finest. Finest, tu es très stupide. Ne t'émêle pas, tu es vraiment stupide. Ne t'émêle pas, je m'appelle. Laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème? Ne me cherche pas. Ne me provoque pas. Qu'elle remette le pied dans cette parcelle. Remette le pied dans cette parcelle et tu verras. Laissez-moi passer. Faites-moi passer. Vous voulez frapper cette femme? Va-t'en, Anita, laisse-moi tranquille. Je m'occuperai de toi plus tard. Tu t'occuperas de moi? Regardez-moi cet idiot. Tu es toujours là. J'ai vraiment honte de toi, Finest. Je ne veux plus te voir. Ne remets plus le pied dans cette parcelle. Va-t'en. Viens. Je ne veux plus te voir dans cette parcelle. Si vous osez un autre jour parler de la sorte, ça m'a l'air, je m'occuperai de toi. La ferme. En tout cas, il fait très chaud aujourd'hui, oh Seigneur. Écoutez, Luffy, honnêtement, je ne supporte plus ça. Je ne me rappelle plus de la dernière fois que j'attendais le bus à l'arrêt. Vraiment? Pourquoi tu ne pars pas t'acheter une voiture à la place de te plaindre? Hein? Tu sais que je ne saurais pas le faire. Alors dans ce cas, dis-nous, c'est qui ce gars qui veut t'acheter une voiture? Luffy, mais qui vous a dit qu'un homme veut m'acheter une voiture? Donc, cela veut dire que tu as de l'argent pour t'acheter une voiture. Écoutez, si je veux, je peux aller prendre une voiture dans les garages de ma tante. Tais-toi, quel garage parles-tu? Tu crois que tu peux piquer la voiture de n'importe qui au garage? Ah, ok, c'est pas grave. Dans ce cas, restons sous le soleil. Oh.
c'est fait, et voici. Bonjour mes filles, bon retour. Merci. Comment a été le cours aujourd'hui? Ça s'est bien passé. Parfait. Où est passée Finest? Oh, maman, elle était restée à l'institut. Oui. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec toi. Moi? Oui. Ok, pas de problème. Dans ce cas, laisse-moi aller me rafraîchir à la maison, ensuite je reviens. D'accord ma fille, fais vite. Ok. Je me demande si son comportement, il y a quelque chose de spirituel. Pas du tout, ma fille, pas du tout. Je me demande pourquoi elle ne parvient pas à voir de belles choses qui s'offrent à elle. Pour être honnête avec toi, Maman Chukudi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de son comportement déplacé. J'aurais vraiment souhaité changer le passé. De quel passé parles-tu, Maman Chukudi? De quel passé es-tu en train de parler? Ne me dis quand même pas que tu es en train de penser à ton mariage. Ma fille, tu ne vas pas comprendre. Es-tu sérieuse? Ma fille, ça me revient. Maman Chukudi, parle. Ma fille, je t'ai chassée de ma propre maison par ma belle famille juste après l'enterrement de mon mari. J'ai souffert dans la rue pendant de longues années avec ma fille. Et mon petit poussin était venu à mon secours. Es-tu sérieuse? Il m'a demandé de lui promettre que je ne laisserai aucun autre homme entrer dans cette parcelle. Alors je lui ai promis qu'aucune autre personne ne viendra s'installer ici, à l'exception de ma fille et moi. Ah, mais curieusement, je te vois souvent sortir la nuit. Oui. À chaque fois que tu me vois sortir la nuit, je pars chez lui. Je suis à lui et à lui seul. Anita, ma fille. Oui, maman. J'aimerais que tu fasses la même chose. Je t'en prie, reste avec un seul homme. S'il te plaît. C'est bon, maman. Arrête de pleurer. Bébé. Tu es une bombe. Tu me fais rougir. Non, tu n'as pas besoin. Je ne me suis pas amusé comme ça. Il y a très longtemps, mon amour. Tu essaies de me dire que tu as aimé? Si j'ai aimé. J'ai aimé. D'ailleurs, c'est plus que ça, je te dis. C'est juste le début.
Hein? Je t'en donnerai plus. Je m'échauffe pour la deuxième partie. Je savais que ça allait te plaire. Tu serais ravi que je prenne la commande. Ah, oui, bien sûr, j'aimerais bien. Ne t'inquiète pas, je le ferai, je tu verras. Si, alors, détends-toi. Embrasse-moi. Je sais que tu l'adores, embrasse-moi, méchant garçon. Oh, voyez-moi ses lèvres. Allez, serre-toi. Judith, je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas à Gisèle. Désolée, de qui es-tu en train de parler? Qui d'autre? Hébert et Choco, Madame Finest. Écoute, ma belle, comment peut-elle sécher les cours pour un type qu'il ne connaît absolument rien à propos? N'est-ce pas que toi aussi tu l'as déjà fait? Oui, je l'avais fait une fois et tu sais que c'était pour une raison. Qu'il se soit importante ou pas, tu passes ton temps à te morfondre pendant que ton amie est en train de se réjouir. Comment sais-tu qu'elle est en train de se réjouir? Je le sais juste et c'est tout. Tu parles des choses que tu ne connais pas, c'est ça le problème avec toi. Je sais de quoi je parle. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps avec c'est toi. C'est ça, tu as intérêt. Oui, laisse tomber des grâces. Comment vas-tu? Je vais bien. Allez, mais toi, comment ça a été? Hé, voyez-moi cette coquine. Tu as l'air fraîche. Merci, toi aussi. Alors, comment ça s'est passé? Ma belle, ça s'est passé très bien. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Ah, calme-toi. Tu es très pressée, tu as vraiment le sang chaud. Tu sais comment je suis. Tu sais quoi? Ma belle, ces garçons est mauvais. Mais tu me connais, ma sœur. Je suis plus mauvaise que lui. Il est sucré. D'ailleurs, il est plus que sucré. Tu sais quoi? Vas-y, raconte. Ce garçon est chaud dans le vrai sens du mot. Tu sais que je ne me laisse pas faire. Je t'y connais. Devine quoi? Qu'est-ce que c'est? Calme-toi, ok? D'accord, relax. Ma chère, je me suis fait 300 000 lira. Je suis très contente. Il t'a remis tout ça? Oh mon Dieu. Je suis contente. Ma belle, sans cette odeur. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Ma chère, ne lui prête pas attention. Parlons de nos affaires. Waouh! Ça, c'est l'argent. T'inquiète pas, ma belle. Change-toi des tenues et je vais te faire sortir. T'es pas sérieuse? Salut, Finest. Allô, chérie? Tu m'as oublié, c'est pas juste. Hein, tu es encore bébé? C'est quoi le problème? Bébé, je suis vraiment désolé. Comme je t'avais déjà dit que je devais un peu me déplacer, mais je suis déjà de retour. C'est vrai? Oui. Oh Seigneur, tu sais quoi? Je viendrai te voir demain à la première heure. Non bébé, tu sais quoi? Je préfère sortir avec toi, avec tes amis, demain le matin. Es-tu sérieux? Oui, bien sûr. Ok, merci chérie. Très bien chérie. Bye. Au revoir. Prends bien soin de toi, d'accord? D'accord. À demain. Ok. Ah!
vrai? J'ai l'impression de rêver. Chukudi? C'est pas vrai. Oui, c'est bien moi. C'est bien toi. Je n'arrive pas à y croire. Oh, Jésus. Chukudi, tu as vraiment changé. Oh, finest. Chukudi, allez, dégage. Oh. Donc tu es allé emprunter ses habits juste pour que je puisse accepter de me marier à toi? Finest, tu auras tout vu dans ces montres. Je suis là pour réaliser ma promesse. Je t'avais promis de t'opposer, Finest. Et qui t'a donné cet anneau? Parce que je sais que tu ne peux pas te le permettre. S'il te plaît, prends cette bague et tu viendras vivre avec moi chez Allez, moi. Allez, dis oui, Finest. Écoute, as-tu perdu la tête? Mais Finest, dis juste oui. Pas de problème, laisse-moi le gérer à ma manière. Non! Comment oses-tu? Trop, c'est trop, Finest. Maman? Allez, Finest n'est pas bien. Va l'aider, s'il te plaît, maman. Bébé, ne me dis quand même pas que ce bâtard est ton chauffeur. Il a les kilos de venir se pointer chez moi. Il est qui? Tu vois cet homme que tu appelles bâtard? Laisse-moi un peu te surprendre. Tu vois cette maison? Ce véhicule? Même celui qui est parqué dehors? Même celui avec lequel j'étais attiré l'autre fois? Sont tous à lui. Il est mon patron. Quoi? Il est mon patron. Je suis... N'importe quoi. Anita, je veux que cette bague soit désormais à toi. Anita, je veux que tu sois ma femme. Est-ce que tu es d'accord? Je sais très bien. Et j'ai toujours vu comment tu m'as toujours bien traité. S'il te plaît, c'est à toi que je vais désormais donner cette bague. Oh mon Dieu. Non. Oh. Anita, s'il te plaît. Anita, allez, attends. C'est bon, ma fille. S'il te plaît, accepte-le. Comment pourrais-je épouser un homme pour lequel je ne ressens rien? Tu veux parler des sentiments? Bien sûr. Les sentiments grandissent plus vite que tu ne peux l'imaginer. Cela dépend de la semence que tu as plantée et aussi de la manière dont tu t'en occupes. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi que mon fils a choisi. Oh, que viens-tu de dire, ton fils? Oui, tu m'as bien entendu, c'est mon fils. Chukudi est mon garçon. C'est ça la vérité, ma fille. C'est lui le petit poussin dont je t'avais parlé, qui avait acheté cette maison pour nous. Franklin, s'il te plaît, viens nous aider. Je t'en prie, Franklin, viens. Viens, s'il te plaît, viens faire quelque chose. Viens nous aider. Allez. Elle peut bien se relever elle-même. Oh. Mais moi, je ne peux rien faire. Pitié, Franklin. Allez, Franklin, je t'en Laisse-moi. Prie. Laisse-moi. Je t'en prie. Oh. Maynette.
Anita, ma mère ici présente t'a vu depuis le premier jour que tu es venue dans cette maison. Et elle a parlé de toi à ma sœur ici présente. Elles sont vite venues dans mon bureau pour planifier comment épouser l'une de vous. Hey, maman. Maman, pitié. Je suis très désolée pour tout ce que nous t'avons causé. Désolée, maman. C'est par ignorance que nous l'avons fait. Je t'en prie, maman. Pardonne-nous. Pardonne-nous, maman. Anita, s'il te plaît, écoute un peu ce que je suis en train de te dire là. Écoute-moi, s'il te plaît. Je désire sérieusement faire de toi ma femme. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. C'est bon, ma fille. Allez, lève-toi. Debout. C'est bon. Je suis très contente. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.